Attention. Mais attention, je ne fais que pirater le 32-16. Attention, il est là, Arnaud Demange. Bonjour Arnaud. Bonjour. Ce qui fait réagir ce matin au Standard, c'est la démission de Caroline Cayeux du gouvernement et l'ouverture d'une enquête de la Haute Autorité pour la Transparence qui la soupçonne d'avoir sous-estimé son patrimoine. Oui, ça fait réagir notamment Simon de Morlaix. Ça fait déjà réagir Manu. C'est bien, Emmanuel, il est parti là. Simon de Morlaix traduit bien ce que tout le monde pense. Il nous a laissé au 32-16. Caroline qui ? Alors, exactement. C'est vrai qu'au gouvernement, Caroline Cayeux, elle était moins connue que certains autres. On peut même se demander ce qu'elle foutait là. C'est un peu comme Jordan Veretout chez les Bleus. Encore qu'hier, c'est toute l'équipe de France qui se demandait ce qu'elle foutait là. Vous l'avez vu, là, le match entre la Tunisie et le FC Lorient, c'était bien. Donc, la remplaçante de Caroline Cayeux, c'est Dominique Faure, qui devient ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer et du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité. On va appeler Dominique Faure. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Dominique Faure, ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer et du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité. Oui, bonjour madame, c'est Arnaud Demange, RMC. Hello, you've reached the phone of Dominique Faure, Delegate Minister of the Interior Minister and the Overseas Territories Minister and the Oui, bon, on n'a pas le temps. C'est gentil, madame Faure. Caroline Cayeux aurait sous-évalué son patrimoine, ce qui fait dire à José, mais comment font les politiques pour toujours se planter sur ce qu'ils possèdent? Moi, j'ai pas fait l'ENA, j'ai pas fait Sciences Po, mais au 1er décembre, je peux vous dire très précisément que j'ai 13,52€ sur mon compte, une Ford Fiesta de 2003, une collection de canards en céramique estimée à 40€ par la dame du marché Opus, deux yaourts nature et basta. Et enfin, Walter de Bruxelles nous dit « Je comprends, Caroline Cayeux, dans ces milieux-là, ça fait vulgaire de parler d'argent. » On demande combien ça vaut là ton immeuble à Iéna et les riches y répondent toujours oh trois fois rien et c'est ce qu'elle a dû mettre dans sa déclaration. C'est les riches qui font ça et évidemment ça n'est pas compatible avec le fait d'être ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer et du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires chargé des collectivités territoriales et de la ruralité. Vous trouvez pas, Pauline? Je suis bien d'accord. Ça n'est pas compatible avec le fait d'être ministre délégué. Non, bon allez, à tout à l'heure.